Ils ont affiché l'adresse de chez moi dans une vidéo. Bon, mon adresse, déjà, elle est dans les journaux, mais pas complète. Hein. Il y a Brice à Jupille. J'habitais à Jupille. Elle est affichée sur Internet. Par les journaux. Mais, je vais vous dire, déjà, je m'appelle pas Edouard. Et je ne sais pas pourquoi ils ont marqué Edouard. Je m'appelle Eddy. Et devenez quoi? Combien de fois j'ai pas dit mon adresse vocale? Mais pour dire Édouard, il y a un truc qui n'est pas logique là. Parce que Édouard, c'est le nom de mon père. Donc, c'est quelqu'un que j'en ai parlé en privé, que je parlais de mon père, qui s'appelait Édouard et moi je m'appelais Eddy. Et l'adresse, je l'ai mis sur un théâtre où il y avait, je me rappelle bien, c'était un live où il y avait, où je défendais Ping en plus. C'était un live de Sofia. Et je l'ai écrit plusieurs fois. Mon adresse est Eddy, pas Édouard. Comment ils ont fait pour trouver Édouard? Ping, c'est bien que mon père s'appelle Édouard parce que je parlais de mon père à Ping, de son père, et on a parlé de son père. Et alors, Ping, vous savez pourquoi j'ai jamais cru que c'était Nia? Parce qu'elle m'a confié que quand elle était gamine, elle était dans une église, on va dire chrétienne, avec le poisson. Et c'est pour ça qu'elle n'aime pas la religion. Donc, la voix IA, comme elle dit, c'est pas une voix IA. C'est une vraie, c'est sa vraie voix. Donc, elle déteste la religion. Et pourquoi elle s'est réfugiée vers la SBAM? Parce qu'elle voulait cacher ça, c'est tout. Hein. Qu'elle détestait la religion. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à détester les religions quand tu es émis dans une religion que tu as été un peu choqué. Bon, voilà. Donc, je répète, l'adresse, je l'ai écrit plusieurs fois dans un live de Sofia où il y avait Pink, où il y avait, où ils attaquaient Pink, pardon, que je ne trouve pas. Et après, ça s'est mis en privé. Et il y avait Azur et tout ça, donc la femme de Mike Desi. Et j'ai parlé de mon père qui s'appelle Édouard en privé avec Ping. Voilà, déjà des choses que je vous dis comme ça, mais je peux continuer aussi, hein, de parler de beaucoup de gens en privé, hein, de ce qu'ils racontent de leur vie. Petite vidéo gentille, là.